Salut à toutes et à tous. Lors de la présentation des résultats financiers de Facebook au troisième trimestre 2020, c'était le 29 octobre dernier, l'on a appris de Susan Lee, qui est la vice-présidente des finances de Facebook, que le réseau social a recruté un peu plus de 4100 personnes ce trimestre contre 4200 le trimestre précédent, soit plus de 8300 nouveaux employés recrutés en 6 mois. Facebook termine ainsi ce troisième trimestre 2020 avec plus de 56600 employés à temps plein, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier. Et l'entreprise ne compte pas s'y arrêter, car les prévisions pour 2021 sont à la hausse. Selon Dave Werner, le directeur financier, le CFO de Facebook, pour 2021, le réseau social prévoit des dépenses d'investissement variant entre 21 et 23 milliards de dollars, contre 16 milliards de dollars pour cette année 2020. Il précise que ces 23 milliards de dollars seront investis dans la création des data centers, des serveurs, des infrastructures réseau et des bureaux, ce qui nécessite par ricochet plus de ressources humaines qualifiées pour leur gestion. Sans oublier le fait que les nouveaux services lancés par Facebook ont également besoin de nouveaux experts. Il est prévu que les nouvelles recrues soient principalement déployées dans des fonctions techniques. Et la bonne nouvelle qui peut intéresser les ingénieurs, les experts, les jeunes Africains compétents, c'est que depuis juillet 2020, Facebook recrute des personnes qui travaillent à distance et non plus seulement dans des villes où l'entreprise dispose d'un siège. Mark Zuckerberg, le fondateur de l'entreprise, l'a annoncé récemment en mai 2020, suivant ses explications. The reasons why I think that this could be very positive are, one is it gives us access to a lot of new pools of talent out there. You know, right now we're doing pretty well, right? Recruiting in mostly a small number of hubs in big cities, but certainly being able to recruit more broadly, especially across the U.S. and Canada, to start, is going to open up a lot of new talent that previously wouldn't have considered moving to a big city. And I have some stats on that I'll share in a bit, but I'm very excited about that. In terms of new talent, I think that there's also especially an opportunity to improve the diversity that we have at the company. You know, when you limit hiring to people who either live in a small number of big cities or are willing to move there, that cuts out a lot of people, right? Who live in different communities, have different backgrounds, you know, may have different perspectives on things, and I think that this is one of the things that could potentially be very valuable. Vous pouvez donc être recruté et travailler pour Facebook tout en étant en Afrique. Pour les récentes offres de recrutement à Facebook, cliquez sur le lien URL au bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas également de partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés. L'info stratégique, c'est le pouvoir. Ne vous y éloignez pas.